Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais simplement te parler d'une fonctionnalité PayPal qui est sortie aux environs de juin, si je ne dis pas de bêtises. Je t'en ai pas parlé avant, tout simplement parce qu'en fait, le podcast n'était pas lancé au moment où cette option est sortie sur PayPal et je t'avouerai que j'ai oublié d'en parler depuis. Et en fait, c'est simplement la discussion avec certains e-commerçants qui m'a rappelé que cette fonctionnalité que j'avais trouvée vraiment super intéressante sur le moment, vraiment puissante pour les e-commerçants. Et du coup, je voulais t'en parler parce que si tu passes à côté, c'est vraiment dommage. En fait, PayPal a mis en place, donc je dis aux environs de juin, une nouvelle option qui va te permettre en fait de proposer le paiement en 4 fois à tes clients. Donc c'est à partir de, je crois que ça commence à partir de 30€ et ça va jusqu'à 2000€. Et en fait, donc si ton client il a un panier de entre 30 et 2000€, s'il passe par PayPal, il pourra payer en 4 fois. Et là où c'est vachement intéressant, c'est que PayPal prend les risques à ta place. C'est-à-dire qu'en fait, ton client va payer en 4 fois, mais toi, tu vas recevoir l'intégralité de la somme dès le départ, en fait. Dès que ton client aura validé son paiement en 4 fois, toi, tu vas recevoir l'intégralité de la somme. Donc, c'est PayPal qui prend les risques à ta place et c'est PayPal qui va faire les recouvrements auprès de ton client. Et toi, tu t'en occupes pas. Même si ton client ne paye pas, PayPal, il t'aura déjà payé et il n'y a pas de problème. Donc je te laisse imaginer la puissance du truc pour toi, hein. C'est que clairement le paiement en plusieurs fois c'est une super solution pour tes clients, mais c'est souvent une galère en tant qu'e-commerçant, parce qu'on veut pas aller courir après l'argent, parce que si on n'a pas l'intégralité de la somme, nous on y perd et en règle générale on rentre pas dans nos frais. Là ce sera pas le cas, tu sais que tu n'as aucun risque en tant qu'e-commerçant, c'est PayPal qui prend les risques et PayPal a largement de quoi aller chercher son argent. C'est pas un problème pour eux, c'est leur métier, contrairement à nous e-commerçants, c'est pas notre métier. On n'est pas des sociétés de recouvrement. PayPal, eux, sont complètement capables d'aller le faire. Et donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour ton client, c'est gagnant pour toi et c'est très certainement gagnant pour PayPal parce que il va inciter plus de gens à passer par leur système que par la carte bleue ou par un autre système et du coup récolter plus de commissions. Donc j'ai vraiment la sensation que ce système est vraiment bien pensé et vraiment top et je t'invite vraiment à l'utiliser. Alors regarde dans ton PayPal, c'est une option à activer. Alors je pourrais pas te dire où l'activer parce que malheureusement, moi je vends des produits numériques et pour les produits numériques ça ne fonctionne pas, l'option n'est pas activée. Il y a quelques niches comme ça où l'option ne fonctionne pas, mais pour la grande majorité des e-commerçants, c'est une option que tu peux activer et c'est une option qui est totalement gratuite, ça ne te coûte absolument rien. Donc si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vraiment à aller voir ton compte PayPal, à te renseigner un petit peu, chercher un petit peu où tu peux activer cette option. Parce que proposer le paiement en 4 fois, ça peut complètement améliorer ta conversion. Il y a plein de gens qui n'auront pas forcément la capacité de sortir 1500 ou même 2000€ en une seule fois et qui pourront beaucoup plus le faire plus facilement en 4 fois. Et de la même manière, ça augmente aussi ton panier moyen. Alors sur la page de promotion, je te mettrai là la page dont PayPal qui fait la promotion en fait de ce service, la page de PayPal qui fait la promotion de ce service, je te mettrai le lien. Mais en gros sur la page ils expliquent que les paiements en 4 fois ça augmente de 3,5 le montant du panier. Alors est-ce que c'est un chiffre, faut toujours faire attention aux chiffres, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va faciliter ta conversion et en effet ça va augmenter ton panier, peut-être pas de 3,5 mais ça va l'augmenter parce que les gens, la douleur n'est pas la même, hein. Clairement, quand tu payes en 4 fois, tu ne vois pas forcément la somme globale que tu vas payer. La douleur, elle est plutôt correspondante à la première mensualité que tu vas payer. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour toi de vendre parce que tu n'as pas cette douleur de sortir 1500€ d'un coup. Tu vas sortir finalement beaucoup moins. Donc voilà, si tu ne l'as pas encore fait, va voir dans ton compte PayPal. Ça va te prendre quelques minutes d'aller configurer ça. Et tu n'as a priori rien à faire sur ta propre boutique. Tu regardes ton module, normalement il doit déjà être compatible et tu actives tout simplement ça et tu vas pouvoir proposer le paiement en 4 fois en récoltant directement l'argent dès le premier coup. C'est plutôt très cool.
Si ce podcast t'a plu, si t'as trouvé ça intéressant, eh bien, si tu es sur Apple Podcast ou iTunes, tu peux laisser une note 5 étoiles, c'est assez facile. Sur les autres plateformes, c'est plus compliqué de laisser une note et il y en a plein qui permettent pas de le faire. Donc, ce que tu peux faire si tu veux soutenir le podcast, c'est tout simplement partager ce podcast autour de toi. Tu prends le lien de partage, tu prends le lien du podcast et tu le partages sur ton LinkedIn, sur ton Twitter, sur ton Facebook ou par mail à un ami que ça pourrait intéresser. Ça soutient très fort le podcast et ben, vous êtes les seuls ambassadeurs. Hein. C'est grâce à vous que le podcast peut se développer. Et plus le podcast se développe, plus il y a de visibilité, plus il y a d'audience sur le podcast, et bien plus ça me permet de faire des épisodes intéressants pour toi. Là, tu vois, on est sur une petite news très rapide, mais qui peut peut-être être très utile si tu n'avais pas activé cette option sur ton PayPal. Comme on peut aller sur peut-être des podcasts qui vont prendre beaucoup plus de temps à préparer, qui vont être beaucoup plus longs, ou des interviews de personnes qui peuvent être super intéressantes pour toi. Donc, n'hésite pas à partager ce podcast. Plus tu aideras ce podcast, plus ce podcast pourra t'aider. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao !